La clause d'indexation, ou clause d'échelle mobile, qui figure dans de nombreux baux commerciaux, est une clause qui prévoit la variation du loyer en fonction de l'évolution d'un indice. Depuis la loi Pinel, l'indexation qui a cours pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014 est l'indice des loyers commerciaux. En pratique, pour que cette indexation ne joue qu'à leur bénéfice, de nombreux bailleurs ont imaginé insérer dans leurs baux des clauses d'indexation limitant le jeu de l'indexation qu'au cas de hausse de l'indice et non pas au cas de baisse. Ces dernières années, plusieurs cours d'appel ont été amenés à se prononcer sur la validité de ce type de clause avec des appréciations divergentes. Certaines cours d'appel avaient tout simplement admis la validité de ce type de clause. Au contraire, certaines cours d'appel, comme la cour d'appel de Paris, avaient exclu purement et simplement la validité de ces clauses. Quant à la cour d'appel de Versailles, elle avait pour sa part adopté une position plus nuancée, considérant que l'indexation ne prévoyant qu'une variation à la hausse n'était pas valable, mais que seule devait être réputée non écrite la partie de la clause excluant la variation à la baisse. Le reste de la clause d'indexation demeurant valable. Devant une telle incertitude jurisprudentielle, il était temps que la Cour de cassation se prononce pour adopter une position de principe. Eh bien, c'est chose faite. Dans un arrêt du 14 janvier 2016, la Cour de cassation a énoncé très clairement, d'une part, le fait qu'une clause d'indexation excluant une variation à la baisse est nulle. Elle est nulle en ce qu'elle fausse le jeu normal de l'indexation. Par ailleurs, la Cour de cassation a énoncé que la Cour d'appel de Paris avait pu souverainement retenir le caractère essentiel que revêtait l'exclusion de l'indexation à la baisse, de sorte que la Cour d'appel avait pu considérer que c'était l'intégralité de la clause d'indexation qui devait être considérée comme réputée non écrite. Un débat doctrinal semble s'ouvrir sur le point de savoir si la Cour de cassation a entendu poser en principe général que ce type de clauses d'indexation sont en son entier réputées non écrites, ou si la Cour de cassation a entendu laisser un pouvoir d'appréciation souverain au juge du fond, d'apprécier au cas par cas si c'est l'intégralité de la clause d'indexation qui doit être réputée non écrite ou seulement la partie excluant la révision à la baisse, selon que cette exclusion d'indexation était considérée comme ayant un caractère essentiel ou au contraire un caractère accessoire. Toutefois, si le caractère essentiel de l'exclusion de l'indexation à la baisse est laissé à l'appréciation des juges du fond, on voit mal en pratique comment pourrait être justifié que, selon les cas, ce caractère pourrait être parfois essentiel, parfois considéré comme accessoire. L'avenir le dira. Ce qui est certain, c'est que la Cour de cassation a confirmé le fait que les juges du fond peuvent retenir le caractère essentiel de l'exclusion de l'indexation à la baisse et peuvent donc retenir que c'est l'ensemble de la clause d'indexation qui peut être réputée non écrite. Or, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Paris, justement dans cet arrêt qui vient d'être confirmé, eh bien, l'action visant à voir réputée non écrite une clause n'est enfermée dans aucun délai de prescription, même pas la prescription quinquennale, contrairement à l'action en nullité qui, elle, est enfermée dans le délai de prescription biennale. La portée de cet arrêt de la Cour de cassation est énorme, puisque en pratique, cela signifie tout d'abord qu'il convient de replacer les parties comme si aucune clause d'indexation n'avait été stipulée et que, par voie de conséquence, le preneur peut exiger du bailleur la restitution de l'ensemble des sommes qu'il a versées au titre de cette clause d'indexation invalidée. Si vous êtes dans ce cas, en qualité de preneur, nous sommes à votre disposition pour vous assister dans le cadre d'une démarche amiable ou dans le cadre d'une démarche judiciaire pour vous permettre d'obtenir la restitution de ces sommes indûment payées à votre bailleur.